J'ai connu que lui comme entraîneur, en fait, je pense que c'est le must. Hein. C'est un des meilleurs, je crois. C'est super, c'est craquant. Daniel Herreau, c'est l'homme qui a tout ramené au RCT. C'est à lui que le peuple doit le bouclier de Brennus. Un totem. Beaucoup de souffrance. Du respect, de l'amitié, un brin d'irrévérence pour le clin d'œil, mais toujours plus d'admiration pour leur entraîneur, les champions de France. Il faut dire que l'homme surprend en permanence à chaque séance d'entraînement, tout comme dans son discours, dérangeant pour certains, passionnant pour beaucoup. Daniel Herreau, personnage d'une dynastie déjà légendaire à Toulon, ne laisse jamais indifférent. La méthode n'est pas des livres, elle vient de deux choses. Si méthode il y a, elle vient d'abord d'un vécu, de l'empire, d'une culture empirique qui est celle de Toulon, la mienne bien sûr, à travers 20 ans de jeu, de réflexion aussi permanente menée sur comment ce jeu va évoluer, vers où on va à la fin du siècle. Dans les 10 années à venir, nous voulons essayer de rester un peu en avance. Quoi. Donc il faut penser le jeu 2 ou 3 ans à l'avance, ou 4 ou 5 ans si on le pouvait. Un des fondements, ça nous apparaît être la polyvalence. Ça c'est un fondement, la polyvalence, que tout le monde puisse faire les grands axes prioritaires du jeu qui sont le jeu groupé, le combat, tout le monde, tout à l'heure les arrêts 3 quarts vont faire du combat. 2, le jeu déployé, que tout le monde puisse jouer en déployé, tout le monde, hein, tout le monde. Et 3, la composante du jeu au pied qui est une composante aussi fondamentale. Ça c'est notre culture de base. Bien, ensuite c'est, si les livres nous ont apporté possiblement à connaître les hommes quand le jeu est dur, enfin à connaître, à essayer de les comprendre et puis à les préparer quand même à la transcendance qui est un des fondements aussi. Ce jeu-là, hein, c'est maîtriser une douleur qui naît, qui arrive, qui s'amplifie et puis il faut la maîtriser. C'est Toulon avec sa bande de minots contre le monde du rugby de Serge Blanco. C'était la première fois que Serge Blanco arrivait en finale du championnat, allait jouer un titre de champion de France face à une équipe de Toulon qui, en règle générale, tout le monde détestait. Quoi. Bon, on a été sympa, on lui a offert un bonsaï avant le match. D'ailleurs, il y a des images, je me rappelle, où j'ai un sourire, je fais un clin d'œil. On sentait beaucoup de sérénité de la part de l'équipe. Et puis une motivation encore plus parce que notre capitaine de toute la saison, Eric Champ, avait été suspendu et était en civil. Et on lui avait fait la promesse que si on était champion de France, c'est lui qui irait chercher le bouclier de Brennus en civil. Les mecs arrivent et disent « Voilà, il faut que tu ailles chercher le bouclier. » C'est le tour d'honneur sur le dos de Yann Branley, le bouclier. C'est des moments, la vie est plate après. Elle est très belle, mais quand tu as vécu ça, elle est quelquefois aussi plate. Vous allez le mettre, ce maillot, vous savez ce qu'il représente dans l'histoire, dans la mémoire des gens et tout. Vous allez en être digne de ce maillot aujourd'hui, les gars. Ces mecs, depuis toute la semaine, ils vous parlent de nos valeurs. Et vous savez qui nous parle de nos valeurs toulonnaises? Comment on va les bouger? Mais qui vont bouger, eux? Parce que vous l'avez, ce maillot, ils l'ont pas. Vous allez être digne, vous allez être bien, vous allez être discipliné, vous allez être bon. Les gars, puis ce soir, ça va être terrible à Toulon. Ce soir, on va faire une fête extraordinaire à Toulon. Allez les gars, mettez-le, mais si vous le mettez avant de le mettre, pensez qu'il faut être digne de ce maillot. Hein. Allez, allez les gars, allez. On ne libérera que lorsqu'on aura bien travaillé au cœur. D'accord? On fait des spontanés retards. Ne tombez pas. Ils sont tous autour dès qu'on tombe. D'accord? Et mais surtout, il faut jouer chez eux. Et il n'est pas interdit de faire des chandelles. Il n'est pas interdit de faire des chandelles. On a très bien démarré. Là maintenant, on est un peu moins bien. Alors, il nous faut une conquête bien meilleure. Bien meilleure en touche. Hein. Lucide Jérôme Gagnon. Lucide, car il s'est rendu compte qu'ils étaient un petit peu moins bien depuis une dizaine de minutes. Et au niveau de l'ouvreur. Et les gars, assurez-vous l'ouvreur. Hein.
Toulon. On garde la balle en troisième ligne. Ah oui, Gallion, Kovi. Kovi, la balle pour Bianchi. Une passe à Tremouille qui provoque la fixation. Relance du côté de Toulon. Oh, 2 contre 1. Ça va être un essai. Oh, c'est bien fait. Essai. Oui. Essai de Jaubert. Oh, bien joué de la part de Toulon. Après l'action précédente qui était aussi une belle action rugbystique, eh bien Toulon vient de mettre à profit cette domination par un essai de Jaubert. Rentrer en cours de match. Cette phase de jeu, récupération de la troisième ligne, toujours Melvin, puis Jérôme Gallion, puis Kovi. Là on va croiser avec Bianchi qui va arriver de derrière, vous le voyez. Il va y avoir une fixation de tête, la balle est libérée. Regroupement, Jérôme Gallion va solliciter la balle, le voilà. Quel soutien. Il va faire une fixation. Bien joué le deux bonnes. Complètement décalé Jaubert. Et oui, il n'y a aucun trois quarts.